mur comme d'habitude. Quand je suis arrivée devant la maison, bon, j'ai pris la clé dans ma poche d'un oracle pour ouvrir la porte. Bernard s'est engagé le premier. Moi, je passais juste. Puis, on a entendu courir derrière. On s'est retourné. C'est jamais arrivé, le mec, son fusil. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, c'est Bernard qui a parlé en premier. J'ai dit, Jean-Marie, fais pas le con. Il dit, je comprends ta douleur. Il dit, mais c'est pas moi, j'ai pas tué ton gosse, je te jure. Alors, le Villemain, il dit, mais il paraît que tu veux pas t'expliquer avec moi. Bernard, il dit, si, j'ai jamais dit ça. Alors, après, il lui dit, je voudrais que tu me dises quelque chose sur Michel Villemain. Alors, Bernard, il dit, pose ton fusil sur ma voiture et monte. Alors, au moment-là, il avait baissé un peu le canon. Après, viens, qu'il dit, Bernard, je t'explique si tu veux des explications. Alors, il dit, pourquoi Muriel a dit ça? Ben, je lui dis, viens, je dirai t'expliquer. Il dit, c'est ta faute qu'ils soient tous sur Christine maintenant. Je l'ai tué. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à votre avis, 2 mois après la libération de votre mari? Pourquoi? Parce que j'ai un dame qui était saisie de l'enquête. Le capitaine Cessnois était formel. Il a été voir plusieurs fois Jean-Marie Villemain. Il lui a dit, je suis formel, c'est sûr. C'est la roche. C'est Cessnois qui l'a poussé. Et sa femme. Vous accusez le capitaine Cessnois et Christine Villemain. Oui. Je ne croyais pas. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué la roche qui me disait. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, je voulais y aller. Avec le fusil pour parler. Et puis il se foutait de moi, il me disait que c'était bien fait tout ça. Et puis il lui a dit, on a parlé tous les deux. Et la roche, il lui a dit, j'ai rien à te dire. Jean-Marie lui dit, comment ça, t'as rien à dire? Reste témoignage, Muriel, qu'est-ce que t'as fait? Alors la roche, il lui a dit, je sais pas pourquoi qu'elle a raconté ça. Puis ils en sont venus aux expertises. Et puis aux expertises, la roche, il lui a dit, de toute façon, les expertises, on les a payées pour enfoncer ta femme qui lui a fait. Puis il s'est foutu de sa gueule, c'est là qu'il a tiré, Jean-Marie. Il me disait, je te jure, j'aurais jamais tiré, mais c'est lui qui m'a mis en boule, qui m'a dit. Il se mettait à genoux, il n'arrêtait pas d'hurler. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Il m'a dit, je t'aime beaucoup, pense à moi, pense au petit, puis attends-moi. Il m'a dit, il fallait que je le fasse, il m'a dit, comprends-moi, il fallait.